toutes sortes de questions sur l'état de santé réel de Joe Biden se posent maintenant. Il savait hier qu'il devait faire attention, puis il n'a pas été capable de s'empêcher de faire ces lapsus-là. Qu'est-ce qu'il faut en penser? On va retrouver tout de suite le Dr Julien Cavanagh, professeur assistant de neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Dr Cavanagh, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois à l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Je comprends que ça prend des médecins sur place pour évaluer la condition de quelqu'un, puis que c'est difficile de quand c'est à la TV, parce qu'il y a toutes sortes de conditions autour, etc., qu'on ne connaît pas. Mais avec votre regard quand même d'expert, vous regardez, par exemple, les lapsus à répétition. Qu'est-ce que vous voyez, vous, docteur? Alors, on voyait déjà quand même quelqu'un hier soir beaucoup plus à l'aise, avec beaucoup moins de symptômes, qui était très, très au-devant de la scène pendant le débat d'il y a 15 jours, et là, s'était beaucoup effacé. Hein. Dans le débat d'il y a 15 jours, il était hypomimique, c'est-à-dire que c'est ça qui était très choquant dès qu'il est rentré sur scène. On ne voyait plus son expression faciale, son sourire. Il l'avait quand même retrouvé hier. Il avait perdu sa capacité à projeter sa voix complètement, ce qu'on a mis sur le compte d'une rhinopharyngite. Mais si on regarde vraiment les derniers mois, voire les dernières années, on voit qu'il a quand même perdu beaucoup de capacité à projeter sa voix, même s'il était en meilleure forme hier. En revanche, sur la capacité à articuler des idées de façon fluide, qui avait complètement perdu le jour du débat, là, hier, c'était mieux. Donc, on voit cette collection de symptômes qui, à l'évidence, est fluctuante. Et c'est ça qui pose vraiment question. Hein. C'est-à-dire, c'est ces moments on comme hier, mais qui sont aussi suivis de moments beaucoup plus off comme le jour du débat. Donc, c'est ça la question pour moi. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a cet état très fluctuant peut véritablement assumer les fonctions de président des États-Unis avec tous les enjeux que ça représente? On a beaucoup parlé. Et donc, par rapport au lapsus, pour vraiment répondre à votre question, ça m'inquiète moins, je vous dirais. Alors, politiquement, c'est sûr que c'est ça qui est beaucoup regardé, ouais, parce que ça fait un moment de télé très, très, très fort. Mais les lapsus ne pointent pas spécifiquement vers quelque chose de neurodégénératif ou de neurologique au sens large du terme. Ben, vous me rassurez, ben, j'ai tendance à en faire beaucoup moi-même, des lapsus, Dr Cavanagh. Mais quand même, on a beaucoup parlé de la possibilité qu'il souffre de la maladie de Parkinson. On dit qu'il y a des médecins qui sont justement allés à la Maison-Blanche dans les derniers mois, qui sont des spécialistes de ces questions-là. Est-ce que quelqu'un qui, justement, a ses moments on et ses moments off, peut avoir ce genre de pathologie, par exemple? Alors, la réponse, pour être tout à fait clair avec vous, c'est oui, mais moi, je me garderais bien de faire un diagnostic à distance, bien parce sûr qu'on ne voit que quelques éléments symptomatiques au fil du temps. Alors, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, qu'il est très scruté, mais que pour faire un diagnostic de maladie de Parkinson, qui est un diagnostic clinique, hein, c'est-à-dire à l'examen clinique et à l'examen de l'histoire de la maladie, il faut quand même passer beaucoup de temps avec le patient et puis aussi pouvoir faire un bien vrai examen clinique. Et parfois, lorsqu'on fait ça, ce n'est pas simplement une question d'éthique, on a des surprises et donc on remet en cause sa première impression. Le président Biden a dit hier qu'il a subi des examens neurologiques. On va l'écouter ensemble, docteur, puis votre réaction là-dessus ensuite. J'ai pris trois significants et intenses examens neurologiques par un neurologiste. In each case, as recent as February, and they say I'm in good shape, okay? Although I do have a little problem with my left foot because it's not as sensitive because I broke my foot and didn't wear the boot, but I'm good. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'il nous dit là, docteur? Alors déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le traducteur, parce que neurologic exam, pour moi, c'est examen neurologique et pas test. Un test, pour moi, veut dire un examen complémentaire qui est avisé neurologique, c'est-à-dire un test cognitif ou une IRM, quelque chose comme ça. Un examen neurologique, pour moi, c'est l'examen clinique par le neurologue. Et c'est là que toute la subtilité se trouve, parce que si c'est un examen neurologique par un neurologue, ça reste quand même relativement en surface lorsqu'il s'agit des fonctions cognitives et des différents domaines cognitifs. Et donc, on comprend bien que même s'il a été examiné par un neurologue, il n'y a pas eu de batterie de tests neurocognitifs qui vraiment nous permettrait d'aller en profondeur par rapport à ses capacités cognitives de mémoire, de fonctions exécutives, de capacités de jugement, de langage, etc., etc. Dr Julien Cavanagh, professeur assistant de neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler. On l'apprécie beaucoup, docteur. Avec plaisir. Merci. Bonne journée.